Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo unboxing avec aujourd'hui la boutique Speranza. Voilà, donc si vous ne connaissez pas cette boutique, c'est une boutique qui vend de la laine, qui vend du fil, qui vend du tissu, qui a du matériel de loisirs créatifs consacré aux aiguilles, voilà, donc au tricot, au métier à tisser, au canevas, les pompons, voilà, vous allez retrouver pour faire les pompons, les boutons, des parures de tricot également, de quoi faire des chaussons. Pour confectionner des sacs, il y a plein de choses. Il y a des rubans, des loisirs pour les enfants. Donc c'est pareil, ça va être pour du tricotin par exemple, du macramé, qu'est-ce qu'il y a pour faire des porte-clés, voilà. Et il y a énormément de choses sur ce site en matériel. Donc, vous allez retrouver des aiguilles à tricoter, des crochets, des sets d'aiguilles, des sets de crochets, des tricotins, des crochets tunisiens, des rangements en tricot, des accessoires pour le tricot et le tricotin, des aiguilles circulaires, bien sûr, les accessoires pour la broderie, pour la couture. La laine, vous allez trouver toutes sortes de laines et dans plusieurs marques. Donc, vous allez retrouver les marques Filda, Katia, Plassard, Grund, Rico, Knight Pro, DMC, Prime, Clover, Pingouin, Cheval Blanc. Après, vous avez aussi Distrifil, Hardycraft, voilà, il y a plein de marques. Et en mercerie, pardon, en mercerie, vous allez avoir les marques Prime, voilà, Distrifil, DMC et Hardycraft également. Vous allez pouvoir aussi retrouver des machines à coudre dans sur ce site. Voilà, donc les machines à coudre de la marque Veritas. Je ne pense pas qu'il y ait d'autres marques. Moi, j'ai vu les Veritas. Voilà, donc ça, il y a les machines à coudre, les machines qui cousent et qui brodent en même temps. Voilà, donc il y a vraiment plein de choses sur ce site. Vous allez avoir aussi une rubrique bonnes affaires, donc avec des prix réduits, voilà, même si c'est plus les soldes comme là en ce moment. Donc là, dans cette rubrique là, vous allez retrouver des aiguilles, des pelotes de laine, des kits pour faire des bonnets, des boîtes pour ranger vos ouvrages, du tissu, enfin plein pareil, énormément de choses. Donc là, à prix réduit. Et dans les tissus, vous allez trouver du tissu donc uni, imprimé, du tissu enfant, du tissu créatif, la décoration, l'ameublement, du simili-cuir, du faux cuir, de l'éponge, du lin, de la doublure et même du tissu pour les rideaux. Voilà. Je crois avoir déjà fait le plus grand tour du site. Voilà. C'est un site sur lequel donc vous pouvez commander tout ce qui vous intéresse, bien sûr. La livraison est très rapide. C'est un site français, bien sûr, qui est à Valence. Ils ont une boutique également à Bourg-les-Valence. Moi, ça a mis 2-3 jours pour être livré. Vous voyez, j'étais livré en Colissimo très rapidement. Sinon, bon,
vous êtes vraiment. N'y a pas de souci sur la livraison, je veux dire. Voilà. Vous pouvez être livré en Mondial Relais ou à la maison, en Colissimo. Niveau paiement, bah, vous pouvez payer bon, comme d'habitude en carte bleue, comme sur tous les sites. Vous pouvez payer en PayPal. En PayPal, ça fait que vous pouvez payer en plusieurs fois si vous avez fait une grosse commande. Voilà. Vous pouvez aussi faire les virements bancaires, mais bon, ça c'est très rare maintenant qu'on se sert de ça quand on fait une commande sur Internet, mais enfin, on a la possibilité de le faire. Qu'est-ce que je peux encore vous dire? La livraison est offerte. La livraison est offerte à partir de 50 euros d'achat. Et on a 14 jours pour changer d'avis. Voilà. Bon, je crois avoir fait le gros tour du site. Donc moi, j'ai choisi quelques articles dans ce site. Bon, j'en ai pas choisi énormément, mais j'en ai pris quelques-uns. Là, vous ferez très attention d'aller en barre d'infos. Je vais vous mettre en barre d'infos le lien du site. Le site va bientôt, va, un, deux, trois, va bientôt changer à la fin du mois, début du mois prochain. Donc, si il y a un changement sur l'adresse, je ne pense pas que sur l'adresse il y aura un changement, mais enfin, on verra. Si jamais il y a un changement d'ici là, je referai le changement dans ma barre d'infos, il n'y a pas de souci. Et là, si vous souhaitez commander, je vous dis, vous pouvez y aller les yeux fermés, vraiment, il y a vraiment pas de souci. Vous avez un code promo que je vais vous mettre en barre d'infos. Ce sera Didit 10. Voilà. Donc, je le remets là sur l'écran, mais je vous le remets en barre d'infos. Donc, vous aurez le droit à 10% sur votre commande. Voilà. Une chose que j'ai pas dit, sur le site, vous retrouvez également des modèles de tricot, donc par catalogue, des livres de tricot également et les fiches tricot. Donc il y a des modèles gratuits et les modèles payants, comme sur tous les sites de tricot. Ça, c'est. J'ai aussi omis de dire qu'en machine à coudre, donc il y a plusieurs marques. Voilà, il y a plusieurs marques de machines à coudre. Il y a Brother, il y a Veritas. Je crois que ce sont les deux qu'il y a, Brother et Veritas. Je rejette juste un petit œil. Jaguar, je ne connais pas. Mais Brother, ça c'est de la bonne cam, hein, comme on dit. Brother, Veritas. Oui, Brother. Brother et Veritas, je vois. Voilà, et puis après, vous avez du petit matériel pour les machines à coudre. Voilà. Donc, je pense avoir tout dit pour les machines à coudre. Vous avez aussi une machine à tricoter sur le site pour celles que ça intéresserait. Donc c'est une Silver Reed. Voilà. Bon, ça peut toujours intéresser, même encore maintenant. Moi, des fois, je me dis, je vais m'en acheter une. Puis bon, c'est vrai que je trouve déjà le temps de pouvoir m'en servir. Bon, vous allez me dire, j'ai le temps, hein, mais bon. Allez, je vais vous montrer ce que j'ai choisi. Je vais vous remettre aussi en barre d'infos, du coup, les liens des articles que j'ai choisis. Alors, voilà, j'ai reçu dans un petit paquet comme ça.
Alors, premier article que je vous montre. Voilà, une pelote un peu froufrou, vous voyez, un peu brillante. Bon, désolé, hein, vous voyez toujours marqué à l'envers. Alors, c'est une Creative Bubble Pring, 50 grammes, 90 mètres. Alors, c'est pas doux, hein. Je vais vous expliquer pourquoi ce n'est pas doux. Parce que ça, c'est une pelote de fil. Là, c'est pas de la laine, c'est une pelote de fil pour faire, pour tricoter des éponges à vaisselle. Voilà. Donc, on tricote ces éponges à vaisselle soi-même. Donc, quand j'ai vu ça, bah, c'est le premier truc que j'ai mis dans mon panier sur le site. J'en avais encore jamais vu ailleurs. Donc, j'ai dit, tiens, on va essayer. Voilà, puis je verrai à l'usage ben, si ça fait bien ma vaisselle. Et puis, si ça dure. Donc, voilà. Alors, ça nous dit sur le site. Alors, c'est le fabricant, c'est Rico Design. Composition 100% acrylique, bien sûr. Aiguille numéro 2, crochet numéro 4. Alors, le poids, c'est 50 grammes, la longueur, 90 mètres environ, bien sûr. Échantillon, alors, on peut faire un échantillon, mais bon. Alors, la pelote Creative Bubble multicolore de la marque Rico Design est un fil à tricoter 100% PES polyester. La laine Creative Bubble multicolore est très facile à tricoter et adaptée aux aiguilles numéro 2. Super, une nouvelle gamme de Creative Bubble. Voici la multicolore pour créer encore et encore des éponges à vaisselle fun. Décorez votre cuisine, votre salle de bain avec des éponges rigolotes et utiles. Tricotez des éponges en forme de emoji, cœur, disque, arc-en-ciel, fruits, etc. Une pelote vous permet de réaliser deux éponges. Le fil à tricoter Creative Bubble Multicolore de la marque Rico Design est décliné dans plusieurs coloris, du pastel à des couleurs plus vives à retrouver dans votre boutique. Voilà. Oui, parce que j'ai vu, il y avait plusieurs couleurs, hein, bien sûr. La lavage en machine à 60 degrés. Pas de chlore, bien sûr, donc pas de javel, pas de repassage, pas de sèche-linge et on peut nettoyer à sec. Mais bon, vous n'allez pas emmener vos éponges à vaisselle au pressing. Voilà. Donc, il y a sur le site des fiches modèles, si vous le souhaitez, mais là, qui sont payantes pour faire des éponges, mais bon. Des éponges, vous faites des carrés, vous pouvez faire comme là, des cœurs. On peut trouver très, très rapidement des choses à se faire soi-même. Voilà, donc ça, je vous le ferai. On le fera ensemble et je vous donnerai mon impression en même temps après le lavage de la vaisselle. Voilà, donc ça, c'est mon premier achat. Ensuite, alors, je repars sur ce que je vais en même temps que sur les fiches techniques de ce que j'ai commandé. Oh, j'ai mal au dos, je vous dis pas. J'ai le dos en compote. Je ne supporte plus le fauteuil de mon salon. Une fois, je dis, il faudrait que j'ai un fauteuil coque qu'on a à la pharmacie. Il va falloir que je finisse par en parler avec mon médecin. Voilà. Alors, j'y suis. J'ai pris deux pelotes comme ça. Alors, ça, c'est doux. Oh là 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 là, ça, c'est tout doux. C'est de la marque Cheval Blanc. Donc, bon, vous voyez à l'envers, mais vous voyez le petit cheval. C'est de la laine, enfin, c'est du fil Louve. Voilà, c'est le nom de ce fil, c'est la Louve.
La 100% polyester, et ça fait, voyez, comme ça, une petite fourrure. Voilà, c'est une pelote de fourrure, Louve. Les aiguilles, on va prendre du 9, du crochet, on va prendre du 10. Le poids, c'est 50 grammes avec une longueur de 33 mètres. Bon, bien sûr, c'est pas beaucoup, mais c'est normal, hein, c'est de la fourrure. En échantillon sur 10 cm, on va faire du 9 mailles 12 ronds. Voilà, donc ça se tricote très vite. Voilà. Par contre, j'ai oublié de vous dire le prix de ça, je vais vous le dire après. Ça, elle est encore en promo. Par contre, alors je regarde si celle que moi j'ai choisie, la couleur que j'ai pris, moi c'est une shade, coloris shade. Alors est-ce que c'est... Mais enfin, elles sont encore en promo. Donc elles sont à 2,89 € au lieu de 3,15 €. Voilà. Qu'est-ce qu'on nous dit de beau sur ces jolies pelotes? Donc, ça ne se lave pas. Alors, ça ne se lave pas. Donc, chlorage, ben, interdit, bien sûr. Ça ne se repasse pas. Sèche-linge, température faible. Nettoyage à sec avec tout solvant. Donc, ça part au pressing. Donc j'avais pris pour mettre sur un pull, mais du coup si ça se lave pas, je vais m'en servir pour autre chose. Alors la pelote de fourrure Louve pas chère de la marque Cheval Blanc est un fil à tricoter 100% polyester. La laine Louve est très facile à tricoter et adaptée aux aiguilles numéro 9. Idéal pour confectionner un pull, un gilet ou une écharpe. Cette laine a un très beau rendu soyeux, moelleux et doux. Oui, ça, doux, c'est doux. Grâce à ce fil Louve, à l'aspect fausse fourrure, vous allez pouvoir vous habiller et créer de multiples accessoires pour cet hiver. Il y a donc 16 coloris dans celle-là. Voilà. Vous voyez, pour faire un pull, si on voudrait faire un pull entier avec ça, il faudrait que en taille 42, 14 pelotes. Voilà. Donc voilà, les autres. La pelote Louve. Maintenant, alors celle-ci, je vais repartir. Elle ne veut pas sortir du sac. Là, elle est très grosse. Je sens plus mon dos. J'ai vraiment le dos en miettes. Alors, je vais partir sur la fiche du produit. Hop, elle est là. Alors, voilà. Une grosse pelote. Bon, pareil, vous le voyez à l'envers. Alors, c'est une DMC Révélation Glitter. Voilà. Donc, moi, je l'ai pris en couleur, vous voyez, bleu. Alors, c'est bleu, blanc, rose, gris. Voilà. Il y a un petit dégradé. J'ai enlevé une petite pelote. Alors, j'ai pris ça pour faire un châle ou une écharpe. Ou je vais voir ce que je vais faire avec. C'est pas très cher. Pour une grosse pelote comme ça. Alors, alors c'est fabricant DMC. C'est 78% d'acrylique, 19% de laine, 3% de polyester, aiguille et crochet en 4. Le poids 150 grammes et longueur 520 mètres. Voilà. Pour un échantillon de 10 cm, c'est 22 mailles sur 28 rangs. Voilà.
On a 3, 3, 6, 7, 8. Il y a 8 couleurs dans ce modèle-là. Alors, on peut laver à la machine, mais en textile délicat. Chlorage interdit, bien sûr. Repassage doux. Sèche-linge interdit et nettoyage à sec pour textile délicat. Voilà, donc celle-là, elle passe à la machine, mais en textile délicat. Donc ça veut dire, ouais, textile délicat, mais en même temps, vous faites ça à froid. Là, ils disent 30, mais moi, je passe à froid. Alors, la pelote de laine Révélation Glitter de la marque DMC est un fil à tricoter, 78% d'acrylique, 19% de laine, 3% de polyester, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. La laine est très facile à tricoter et adaptée aux aiguilles numéro 4. Un merveilleux fil coloré et multicolore pour tricoter de belles étoles, écharpes, cols qui habilleront joliment vos épaules. Une seule pelote suffira pour réaliser une étole. Voilà. La laine Révélation Glitter de la marque DMC est déclinée en plusieurs coloris. Voilà, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Alors, le prix, c'est 8,79 €. Et avec cette laine, j'ai pris, puisque c'était proposé dans les propositions du bas, le petit livre qui va avec, voilà, DMC. Je l'ai eu au prix de 1,50 €. Voilà. Alors, c'est écrit en plusieurs langues, je pense. Voilà, je vais regarder si on a les dessins. Oui, on a les dessins en grand modèle, en grande photo. Voilà les modèles qu'il propose. Il n'y a pas beaucoup de modèles hein, dedans. Je crois qu'il y en a trois. Alors, ça, celui que je vous ai montré, c'est une écharpe à volant. Voilà, donc le premier, c'est une écharpe à volant. Ici, c'est une étole triangulaire. Voilà. Celui-là, un boléro. Et je crois que c'est les seuls. Il n'y en a pas d'autres. Oui, non, il n'y en a pas d'autres. Après, donc on a les explications. Voilà. Donc, les explications, on les a en quelle langue? Alors, en français, bien sûr. Après, en anglais. Ça doit être de l'espagnol, ça. Oui, je pense. Ça. Espagnol, italien, espagnol. Alors ça ressemble aussi. Bon, ça doit, ça c'est de l'allemand. Et là, ça ressemble à l'allemand, mais je ne vois pas ce que ça peut être comme langue. Enfin, c'est à une, deux, trois. 4, 5, 6. C'est en 7 langues avec le français. Voilà. Donc, voilà. L'étole, elle est comme ça. Vous voyez? Donc, je verrai ce que je ferai ou. Alors par contre, le boléro, est-ce qu'il y a une taille? Ah, taille unique. Moi, la taille unique, je rentre pas dans la taille unique. Bon, c'est pas très grave. Moi, je l'ai pris surtout, c'est pour faire un châle ou une écharpe, voilà, un truc comme ça. Donc voilà. Je pense que ce sera très joli. Ce sera peut-être un autre modèle que le catalogue hein, que je ferai. Alors, et ici, j'ai pris, et là, je sais que je me suis trompée. Alors, attendez. Pourquoi, c'est quoi ça?
Ah, d'accord. Je me demandais ce que c'était. Là, je me suis trompée. Bon, c'est pas grave. J'ai pris un crochet comme ça. Voilà. C'est les crochets Clover. Moi, j'en avais pas encore comme ça de Clover. Et j'ai une copine, ben, j'ai une abonnée, je crois, de la chaîne qui m'en a parlé. Qui m'avait dit que c'était super. Et donc, j'ai dit, ben, à l'occasion, je m'en prendrai un. Et puis, bah, du coup, je m'en suis pris un, mais je me suis trompée. Je voulais prendre du numéro 4, du coup, pour faire le châle. Et, mais bon, là, vous allez voir à l'envers. Vous voyez, j'ai vu numéro 4 ici. Mais la taille, la vraie taille était en bas, là. 1,25. Donc, c'est... là, c'est un crochet pour faire de la dentelle, celui-là. Il est très, très... très fin. Donc je me suis plantée. Voilà. Donc pour l'instant, il ne me servira à rien. Je me suis complètement foirée sur la taille. Voilà. Alors, par contre, il y a un petit truc en métal là. Alors, je sais pas si c'est une protection qu'on met. Parce que je connais pas du tout cela. Qu'est-ce qui est marqué? La forme est idéale pour accrocher le fil. Manche confortable et doux au toucher, facilitant le travail de crochet. Sa forme s'adapte à la main. Bien protéger le crochet lorsqu'il n'est pas utilisé. Ouais, bah alors donc c'est ça. Ce petit truc là, ça doit être pour protéger le crochet. Voilà, ici. Donc, ben, il va aller dans ma boîte, hein, et puis je ne m'en servirai pas. C'est dommage. À moins que l'une d'entre vous fait de la dentelle et qui serait intéressée. Voilà. Là, c'est du, je vous dis, c'est du 1,25 mm. Voilà. Bon, c'est de ma faute, hein. J'ai pas fait plus attention. Mais enfin, bon, sachez que eux, ils ont donc les crochets Clover. Voilà. La prochaine fois, j'en reprendrai un autre avec la bonne taille. Donc voilà. Je voulais vous présenter donc cette boutique. Donc n'hésitez pas à commander chez eux. Ça vaut vraiment le coup. Il y a des belles promotions, des bons prix. Vous avez pas mal aussi de modèles de tricot. Vous avez beaucoup de catalogues également. Alors, les catalogues, vous avez les fils d'art, vous avez les fils d'art, vous avez les katia. Vous avez je suis en train de faire le tour là, Katia. Vous avez les livres pour apprendre à tricoter les chaussettes. Vous avez les plassards. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Catalogue les Rico Dazing. Voilà, Rico Dazing encore. Cheval blanc. DMC, voilà, il y a plein, plein, plein de choses. C'est vraiment un site. Donc, si vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à y aller. Si vous connaissez, ben, n'hésitez pas à y retourner. Mais retournez-y avec le code promo que je vous donne. Donc, Didit 10. Ben, ça vous permet déjà de gagner 10% sur votre commande et puis même sur les prochaines commandes. N'hésitez pas à vous en servir. Et puis voilà. Donc je pense que je reparlerai de cette boutique régulièrement. Maintenant, bon, je verrai ce que je reprendrai les prochaines fois. Là, pour l'instant, je ne sais pas encore. Voilà. Bon, je reprendrai un crochet.
C'est sûr. Et après, on verra. Allez, je vous laisse. Je remercie encore la boutique Speranza. Je remercie également Romain, la personne qui s'occupe de la boutique. Et puis nous, on va se retrouver très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt. Bisous, bisous. Je vous embrasse fort.